Podcast Fly and Ride. Euh, on a un podcast spécial aujourd'hui. Je suis avec deux chums de longue date. Puis on va parler de course sur glace. Euh, C'est une discipline que le monde y connaît plus ou moins. C'est méconnu au Québec. Puis pourtant. S'il y a bien une place que c'est euh, pratiqué, c'est au Québec. C'est là euh, qu'il s'est passé le plus de choses. Euh, les courses de motos sur glace, le monde il pense que c'est nouveau et que c'est juste un paquet de, de « fuckers qui font ça. Mais euh, ça existe depuis 1930. J'ai fait bien des recherches depuis 1930 qui font des, euh, des courses mondialement, qui ont des courses de, de motos sur glace. Puis depuis 1966, la Fédération internationale de Motocyclettes. Euh, les a approuvés. Fait que depuis 1966 c'est de même. Puis on avait fait des recherches euh, l'année passée, puis on avait des photos au Carnaval de Québec euh, dans les années 60, qui avaient déjà des courses de moto sur ouais, le glace. Fini deuxième, c'est quoi? <laughs> en 1960? <laughs> eh oui. C'était en noir et blanc, puis euh, il était déjà là, lui, c'est sûr. Puis, euh, tu sais, au, au, au Québec... Euh, on est bon dans plein d'affaires, mais d'un course de moto sur glace, c'est la crème. Là. La crème est sur le dessus. T'sais, moi, d'un course de moto sur glace, là, Marcel Fournier était 31 fois champion canadien de, de course de moto sur glace. Il y a Dominique Beaulac. Dominique Beaulac, le monde qui ne pas, c'est un, un pilote de flat track euh, qui a gagné des courses aux États-Unis et tout. Il a gagné dix fois le championnat ici. Il y a euh, Michel Mercier qui a gagné 25 championnats canadiens puis il a été dans les premiers euh, pilotes reconnus de courses de monture course sur glace. Il y a euh, Pascal Picotte qui était un pilote de superbike international, des courses de, de world superbike puis tout. Pis, il, il venait courser l'hiver. Il venait s'entraîner ici l'hiver sur les courses sur glace. Il y a euh, Andrew sais, Andrew Ranger, le monde ne le sait pas, mais il a commencé… Bien, bien jeune, des courses de moto sur glace. Puis, tu sais, Astor, c'est un pilote de NASCAR, mais il, il faisait des courses de moto sur glace. Tu d'ailleurs, aussi, le porte-parole du Grand Prix de Skidou de Valcourt. Depuis l'année passée, cette année, il revient aussi, Andrew. Là, il est très bout, puis c'est vraiment cool de voir ça. C est c est cool. Puis, nous autres, on a, on a quelqu'un de, de l'équipe euh, qui travaille pour, euh, avec nous autres, Flying Ride. C'est euh, notre gérant de notre entrepôt en Floride, Richard Fournier, communément appelé Bébit. Il a fait de la course sur glace aussi euh, à l'époque. Fait que, on a, on, a, on a un parmi nous autres qui l'a fait. Moi, j'ai coursé deux, trois ans, ça a sur glace. Le problème, c'est que moi, mes hivers étaient courts. Hein? Fait que, on travaillait beaucoup l'hiver. Fait que j'ai fait quelques courses. j'ai jamais fait des saisons complètes, mais j'ai fait quelques courses. Mais tu sais, Sylvain, pilote de quad au Québec, puis au Canada, c'est probablement le plus titré au niveau des courses de, de quad. Puis, tu sais, on va se le dire, c'est pas mal toi la référence d'un course de quad, surtout. Surtout sur glace aussi, parce que ça prend de l'équipement spécial, tu connais ça, tu maîtrises ça. Écoute, j'ai une douzaine de championnats canadiens à mon actif. Quand même. Euh, Puis je cours sur glace depuis 1984. J'ai commencé en trois roues. Euh, Puis dans ce temps-là, on spinait à qui mieux mieux, comme on dit. Là, on <laughs> allait acheter, écoute, la, la, la vis qu'il mmh. y avait dans le temps, c'était de la Papico. Ça, ça se trouvait quasiment à, à Quincaillerie. Puis là, ben, on s'inventait des setups, puis c'était de laisser erreur. Puis, euh, euh, écoute, c'était un peu comme dans les débuts de n'importe quoi. là, hein? on, on y allait avec ce qu'on pensait qui était bon, puis là, on se déblayait des, des lacs, puis de, des ovales à des endroits pour se tester avant d'arriver aux courses. Puis souvent, euh, il, oui, il il y avait des championnats canadiens dans ce temps-là avec justement, tu parlais de Mercier, puis euh, Marcel Fournier, puis tout ça. Mais nous autres, euh, au tout début, moi, j'ai surtout participé à des, des festivals. Un festival de, de neige à Lévis, festival… Euh, écoute, il y en avait partout, des festivals au Québec, puis euh, c'était cool au bout, là, tu sais. Ça ne coûtait pas cher d'inscription. Les bourses, c'était oh, bon. Oh, oh. la patronne qui vient nous surveiller, ah, d'accord oh. On okay, va on avoir on est, notre, quand même notre petit café. Elle vient nous dire euh, « Dépêchez-vous, euh, travaillez-vous, mais on nous, nous traite bien quand même. » On va se prendre hein, un petit café, c'est bon. Bien, bon? oui, non, on ne peut pas dire ça. C'est elle signe les chèques de paye. <rire> <rire> à, elle signe ton chèque de paye, mon chèque de ouais, paye, mais eux autres, ouais, ils n'ont ouais, pas de ouais, chèque pas eux de eux paye. pas autres, par exemple, mais en tout cas, nous Pardon? autres, ouais, c'est oh. ça. <laughs> euh, Marc-André, toi, tu es un promoteur de course, yes. OK? Tu es un promoteur de course sur glace. Il n'y a plus beaucoup de promoteurs de course sur glace j'ai une question puis c'est pas une question. C'est sais, on a travaillé ensemble, on a fait oui, une coupe oui, d'affaires. Oui. Comment qu'on fait pour être un promoteur de course de glace? En fait là, euh, ce que, ma, ma vraie question c'est tu, tu peux pas vivre de ça puis puis comment, pourquoi tu fais ça? Dans le fond, ben, fais pas ça dans le fond. Ben, oui, fait, <laughs> fait, faites ça. En fait, en fait c'est parce que la passion premièrement. C'est sûr que euh, pour moi, c'est le flat track ou les courses en oval, c'est un des sports. Au monde qui me fait le plus triper. Il euh, n'y a aucune raison de ne pas être sur le bout de son siège pendant une course ou un hit ou une qualification. À chaque fois il se passe quelque chose, c'est jamais la même chose. Euh, c'est très rare que quelqu'un part en avant sauve. Il y a tout le temps quelqu'un qui suit. Puis vraiment, c'est la passion qui, qui me tient réveillé pour être euh, promoteur de course, effectivement. Là, il okay. là, là, y a plusieurs sujets dans notre sujet aujourd'hui. Premièrement, tu viens de dire course sur glace en ovale. Ouais. Parce que moi, je, je, je sais qu'il y a des championnats de course en circuit. Aussi. Mais euh, moi, dans le temps, je coursais, puis tu, tant que tu as commencé, c'était des ovales qu'on faisait. Euh, on dirait que ça a comme perdu en hein, popularité les, 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 les circuits, plus on dirait que l'ovale euh, a repris sa. C'est sûr. Bien, oui, effectivement. Il y en a qui sont très fans de circuits. Euh, moi, personnellement, circuit, euh, je, je vais dire que j'aime un petit peu moins ça qu'une course d'ovale. C'est sûr, sûr que je prioriserai pas ça lors quand je vais faire un événement. Surtout que les courses de flat track, à la base, je vais dire banalement, c'est que de l'oval, Tu as des TT des fois, avec un petit jump, un virage à droite. Euh, mais sinon, vraiment, là, euh, les courses sur glace, c'est ça qu euh, qu 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 que je trouve le, 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 plus, le, plus, le plus haut. Mais il y a des amateurs pour les deux, par contre. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Il y a des amateurs pour les deux. Puis probablement, je pense que la raison principale pourquoi il s'est mis à avoir de la course en circuit, c'est parce que de la course d'oval. Et souvent c'est considéré comme une course de moteur. Hein? Okay. C'est sûr que le 18 pouces, le code 18, comme on dit, le 18 pouces en arrière du set de poignet, ça est fait pour beaucoup. Mais c'est vrai que, moi, te donner un exemple, regarde, on, est à, on était on de s'en aller à Valco. Là. Bon, Valco, c'est un, un petit demi-mille sur glace, ça prend de la robe ça prend du moteur. Fait que là, et à un moment donné, il y avait de moins, il y avait un petit peu moins d'inscriptions parce que là, les gars, t'es pas prêt à mettre ce que ça coûte pour aller virer en ovale et sur glace. Fait que là, la course en circuit, bien, t'es pas nécessairement obligé d'avoir euh, bien, ben de la rade. Le pilote fait plus une différence. Le pilote fait une différence. Le setup de suspension, le, finalement, le setup du bike au complet, OK, fait, fait une grosse différence. Puis nous autres, en quad, tu peux utiliser les pneus. Euh, tu peux utiliser les mêmes pneus pour ah, les deux. Pas okay, okay. Mais, mais pas contrairement à la moto, c'est ça. La moto, tu peux pas. Pour faire les, ce genre de, de, de type de circuit-là, ça prendrait vraiment deux types de pneus. Fait que, on s'entend aussi. Les pneus sur glace, c'est pas donné là, quand tu achètes ça, c'est 1000 pièces passées pour 27. Donc si es pour faire es justement de l'oval et du circuit, ben là, ça prend au moins 2000, 2500 de heure pour, pour faire les deux. Là. Je ne me trompe pas, c'est C'est pas mal ces oh, coins-là. Oui, là. écoute. Euh... Puis tu sais, euh, moi je sais, dans le temps, les, les pneus là, en arrière, euh, Je pense que les machines maintenant, les quatre temps puis tout, c'est un petit peu plus performant que qu ce qu'on avait dans le temps, qu'on avait du deux temps. Par contre... Dans le temps, des tailleurs, on en passait en arrière. Là. moi, je me souviens d'avoir passé une saison euh, sans avoir fait toutes les courses, un 3-4 euh, tailleurs en arrière pour un tailleur en avant. C'est encore la même affaire? Ça, Ça fait-tu encore rapide, la même oui. chose? Bien, écoute, euh, en moto, euh, c'est sûr que la, la, les, les techniques de pinage ont changé peut-être un peu. Ils met, là, tu sais, ils mettent des liners à l'intérieur, puis bon, euh, les vis sont peut-être aussi un petit, une petite bit plus... Les vis, aujourd'hui, sont spécialement conçues avec le strength, là, pour, avec la force pour. pour pas des, rouler sur pas le des vis de chez Bruno, Non, 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 ce pas de la vis à J-Proc, ouais. ce qu'on avait là, de recul là, 40 ans. Là. Fait que, euh, et oui, les pneus aujourd'hui, euh, mais il mais, y a une chose, par exemple, c'est que plus que tu as, as de la rade, moins que ton pneu dure. Aussi, il est là le problème. Tu vois-tu, moi, euh, quand j'ai commencé à courir, c'était en trois roues. Là, OK? J'avais peut-être 25, 25 forces sur mon <coughs> 3 roues. Aujourd'hui, je roule avec un bike à 100-105 forces. Là. fait que les pneus pis durent une bit moins longtemps un peu. Ça, ça, spinne un, ça spinne un peu plus, mettons. Bien, curieusement, là, non. Il est là, l'affaire, c'est que ça spinne pas. OK. <laughs> fait que la, la, vis, à la euh... vis, ça travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis le robot puis tu sais, là, fait que... Euh, assez, écoute, c'est un art. Piner un pneu, puis préparer un bike de glace, que ce soit en moto ou en quad, c'est un art. Puis euh, là, des, des circuits, je sais qu'il y en a une coupe d'organisés, mais toi, dans ta série des ovales, c'est quoi qu'il y a comme course? Qu'est-ce qu'il y a qu'on qu peut aller voir, là, que les spectateurs, les gens qui vont regarder le podcast? Ben nous, on est euh, juste Moto VTT. OK. Euh, si on vise là-dedans. On a plusieurs catégories. Autant les catégories pour des jeunes qui commencent, qui veulent commencer. D'autres, avec des assurances, c'est 6 ans le minimum. Donc, on part à 6 ans jusqu'à 10 ans, c'est la classe mini. Après, ça, on fait une classe un petit peu plus avancée qui est la classe débutant. Euh, fait que as 10 ans à 14 ans. C'est pas à Valcourt, malheureusement, parce que le temps et, et tout ne le, le, le permet pas. L'ovale est trop grande aussi. Ça serait peut-être trop dangereux pour les enfants. Donc, à partir de là, on fait euh, deux catégories suivantes pour les euh, motos et les VTT. Donc, tu vas avoir la catégorie amateur et expert. Donc, là-dedans, on prend 20 pilotes en moyenne et on fait un top size pour les finales. Puis, ça ressemble pas mal à ça, nos classes qu'on peut, euh, qu peut jouer avec. Là. Puis, là, là, votre première course que vous faites, c'est Valcourt cette année? En aval? Ça va être l'avalterie. Euh, en fait, pas moi, mais il y a une organisation, le cours sur glace, la nausière, qui fait la, la Valterie. Je dirais que la première grande partie, Pas mal tout le monde va là pour se réchauffer et euh, tourner leur bike. Euh, c'est le 28 janvier, dimanche le 28 janvier. Puis nous, effectivement, là, la première, première course qu'on fait, ça va être au Grand Prix de skido de Valcourt, le 9-11 février. Mais la Valterie, c'est une course en circuit, circuit par exactement. contre. Exactement. Ouais. OK. Ça, c'est une l'année passée, j'ai fait de Valcourt avec les ouais. autres. Euh, on a eu du fun, pas pire. On, <laughs> avait, euh, on avait une maudite bonne gang. Euh, mais c'est une grosse organisation. Là. Le monde, il sous-estime à quel point c'est une grosse organisation, le Grand Prix de Skidou de Valcourt. Comment c'est un gros événement? Là? Écoute, c'est pas compliqué. Moi, je crois très sincèrement, pour être dans le sport depuis près de 40 ans, là, je pense que c'est la plus grosse course sur glace en Amérique. Okay. Ça, c'est sûr et certain. Euh, écoute, il y a du snowcross, il y a de l'ovale de motoneige, il y a du, du quad, il y a de la moto. Euh, c'est un, un « happening » à partir du vendredi matin jusqu'au dimanche soir. Il y a tout le temps de quoi. Il, même, je pense, que le vendredi soir et le samedi soir, ils font des dragues de motoneige. Oui, l'année passée, il y avait des dragues. Ouais. Écoute, ça n'arrête pas. C'est non-stop. C'est vraiment un événement. Il ne faut, faut pas manquer ça. Puis, tu sais, tantôt, tu as dit que c'est un, un demi-mille. C'est grand, mais je le sais parce que je l'ai vécu une couple de fois. Moi, je n'ai jamais coursé là, mais j'ai été souvent comme spectateur. Puis là, j'ai travaillé avec vous autres l'année passée. Euh, c'est impressionnant, Valco. Ce n'est pas juste un ovale, c'est un circuit qui est fabriqué, qui est sur un, un, une base en asphalte, qui, qui vont faire de la glace dessus. Fait Il y a un paquet de défis techniques qui sont reliés à ça. Mais en plus, tu vois, Dan, tu n'es jamais venu à Valco, mais c'est quelque chose. Parce que les coins sont banqués. Ça rentre. Là. Ça, rentre ah, euh, ça rentre. Écoute, je te dirais, là, euh, on frôle… C'est entre 155 et 160 km/h, sur, 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 pour les front-runners, les gars qui roulent à l'avant, que ce soit en moto ou en quad, ça roule solide, solide. Puis là, qu'est-ce qui est différent? C'est que c'est pas une glace naturelle. Ouais, hein? Ce n'est pas une glace de lac. Une glace de lac, c'est dur, c'est hard pack. Ça, c'est de la neige qui a été tapée et arrosée. Fait qu'à ce défait, en flocons un peu. Fait que là, là les setups, c'est différent un peu par rapport aux suspensions. Il y a beaucoup plus de neige qui s'accumule à Valco. Ils ont un setup pour nettoyer qui est quand même écœurant. Là. Mais il reste que tu prends une finale de quad à 10 quads, mettons, là. puis euh, rendu à mi-course, il commence à avoir de la neige sur la traque. Tu deviens à une ligne. Oui, oui, oui. Puis il sort pas de la ligne. Là, là, fait que là tu t'en viens dans le stretch. 150, 152, 155, 158, t'arrives dans le coin, là, puis là, ben, t'as quatre pieds, as quatre pieds de, de traces noires à terre que c'est là-dedans, faut que tu rentres. Mais là, c'est parce qu'il y en a neuf autres Tata aussi qui, qui veulent rentrer, rentrer là. À la même place que toi. À la même place que toi, là, tu sais. Là, c'est euh, moi dire que ça donne tout un show. Puis la, la piste est pas, euh, est pas ovale complète. C'est pas, ouais. pas la même symétrie des deux bars. La 1 et la 2, c'est un coin de rue. Puis la 3-4, on large. dirait que tu tournes, tu as un bout de droite, puis tu retournes. Fait que écoute, ça, ça mêle toutes les cartes. C'est ça qui est bon avec le cours. Puis, tu sais, c'est une méchante organisation. Le monde qui ne savent pas comment c'est organisé, c'est juste pour déblayer la traque, le personnel qui est les flagmen, le, le, le monde qui sont sur la piste. Là. Pas le monde qui travaille dans les estrades, mais c'est plus que 100 personnes qui s'occupent juste de l'organisation. On ne parle pas de coureurs, là, on ne parle pas de rien de ça, juste le monde qui font ça. Juste dans le tour de contrôle, là, une boisson, on devait être à peu près une quinzaine avec les animateurs, avec tout le monde qui regarde. Puis, tu il y a une logistique, là, puis il faut que tout le monde regarde qu ce qu'il y a à faire parce que, tant qu'il y a un gars qui tombe dans un film de neige blanc, tu sais pas qui est tombé, là. puis là, il y en a justement 16 autres qui s'en viennent au fond. Puis, on ne veut pas qu'il y ait d'accidents, c'est de façon très, très sécuritaire. Ouais. Euh, on se souvient qu'il y a eu des accidents de, de motoneige euh, avec Jacques Villeneuve, mon oncle, dans le temps. Puis, c'était quand même très, très sécuritaire, mais je pense qu'en moto, c'est encore. En moto pas en quad, c'est encore. Une coche de plus, pensez-vous. Tu sécurité. qu'on exige des casques de telle année à telle année. Là, on ne peut pas dépasser cinq ans. Les soupes de cuir pour les gars de moto, ça, c'est nouveau de l'année passée. Avant ça, tu pouvais venir avec presque ce que tu voulais à grand qui trouve le balcon. Pour les quad aussi, même chose. Une lumière à l'arrière. Une lumière ouais, très important. important. Parce que la lumière, elle te permet de voir s'il y a quelqu'un devant toi, parce que des fois, tu ne ouais. le vois pas. C'est ça. ça. Puis euh, les, les gardes aussi, hein, ouais, ces motos. Effectivement, les gardes avant-arrière qui couvrent plus que 40 de la roue. Euh, ça c'est un règlement aussi, qu'il qui faut que tu n'as pas le choix. Je ne sais pas c'est combien de pins, mais mettons des pins de quatre roues. De, de quad, Il y a combien de pins sur les quatre roues au total, là, mettons? Bien, écoute, en arrière, tu as en moyenne, je te dirais, 400 pins par pneu. Okay. Donc, il y en a 800 en arrière. En avant, il y en a un petit peu moins. Je pense qu'il y a une affaire comme 300 ou 320. Fait que tu vois-tu, il y a peut-être 600 ou 625 630 pines, mettons, en avant. Il euh, y en a... Avec un 1400 clous qui te tient à terre sur oui. le, pour, pour la glace. Oui, oui. puis écoute, euh, on parlait de, de vieilles pines tantôt. Là. <coughs> les euh, les pines, d'année en année, là, ça devient hyper performant. Là, là tu, arri tu arrives à Valcourt sur une belle glace neuve, neuve pas de neige, là, ça mord deux fois plus que sur l'asphalte. Puis le gars qui commence en course, que ce soit en moto... Parce que je l'ai vécu la semaine passée, j'ai ouvert un rond dans le coin chez nous, puis j'ai emmené des, des nouveaux pour qu'ils essayent ça. Les gars, ils ont qui, quand ils partent le premier 10 minutes, ils essayent de drifter, là, de voir un peu. Parce que moi, je lui dis, promène-toi à gauche, puis à droite, à telle vitesse, puis essaye de rentrer plus vite pour, pour connaître un peu de la grippe que tu as à terre. Puis les gars, ils, au bout de 10 minutes, les gars, ils débarquent, puis ils sont là. ouais mais ça ne dé, dérape pas. Ça dérape pas. Fait que quand <coughs> on rentre dans le coin là, à 155 là, ça dérape pas. <laughs> euh, ça dérape pas. tu es soudé là, tu sais. Puis euh, si tu fais pas ton transfert de poids comme il faut, ton cross weight puis tout, eh, tu peux virer à l'envers là. Et on voit ça, euh, on le voit là, Une autre technicalité aussi qui serait peut-être cool à dire là, pour, pour les motos. Euh, sais, j'enlève rien aux quatre roues là. Tu sais, à quatre roues, t'es assis. Bon, mais si tu regardes la, la portée d'un pneu de moto. Euh, je veux dire, c'est gros. Euh, c'est pas gros, gros, la, la surface arrière, de contact. De... La surface de contact doit être à peu près gros de même parce qu'au final, c'est juste les pins qui touchent. Puis, comme tu dis, on roule 155 km/h. c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison de ne pas être assis sur le bout de son bain Monac, tu vas. Vous savez ce que je veux dire. Ouais, c'est très ouais. spectaculaire. Là. Moi, j'ai fait là, au début des années 2000. Puis, euh, ça m'est arrivé quelques fois. Un motocross. On, on s'entend que les motos comprennent des motocross. Euh, c'est gros. C'est gros. Tu as de la misère à embarquer dessus. Puis, ça m'arrivait souvent, quand j'arrivais dans le coin, qu'il y a des petits bancs de neige, que la poignée à toucher sur le banc de neige, tu restes live t'es en maudit. Là, là t'es mmh. penché, ouais. t'as ta jambe à terre au complet, puis tu vois le coin, puis ça fait, «toc» sur le bas du banc <coughs> de neige, j'ai neige. OK, j'ai vraiment touché à terre. Qu'est-ce qu qu qu'il y a le fun en moto que moi j'aime voir, parce que tu sais, je connais le sport beaucoup. Ce que j'aime voir en moto, c'est que il y en a des gars qui roulent in, puis tu en as comme deux, trois tarés, là, <laughs> et les autres ils roulent out. OK, mais tu as une différence entre virer in puis virer out, tu as peut-être un 50-60 pieds, tu as beaucoup plus long à faire. Mais le gars, il s'en vient là, visser, là. puis là, il frôle les balles de foin. On a même, écoute, je, on en voit qui touche aux balles de foin à l'extérieur à 150. Là. Parce que quand tu vas in, tu une belle glace bleue, après ça, la, 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 les motos qui viennent, ils accumulent une neige dans le centre. Ça fait Mais comme euh... un sel, la ça, neige, c'est pas euh... du tout de la neige. c'est à éviter, tu touches pas à ça en moto. Mais dépasser cette neige-là, la glace elle est belle miroir en haut de ça, sur le bord des balles de foin. Il y en a trois, deux, trois, là, ils s'en viennent, là, je te le dis, c'est le taquet à côté, là, puis là, ils se penchent, puis là, il, il tout, tout, tout touche au bal de foin. À l'extérieur, là, écoute, le show en moto, il était écœurant. Là, ça t'sais. prend des nerfs, là, on en l'air. Ah, c'est ça. Moi, ma jeunesse, j'ai été au Stock Car, là, puis il euh, y avait une différence de pilote. à hein, celui qui virait en haut, c'est qui virait mm -hmm. en large. Les autres appelaient ça, ouais, ouais. Euh, Ça prend du nerf, là, tenir ça en l'air, Ah oui. Puis, euh, ce qu'il faut rappeler aussi, Dan, là, c'est que nous autres, euh, on n'a pas de cage. Il ouais, n'y fait... ben, euh... ouais. ouais. ouais, hein, a rien qui nous protège. La glace nous revole dessus. Il n'y a rien qui nous protège. C'est un autre coche au-dessus de ah, C'est fou. Oui, uh, oui. Ouais. Exactement. Ouais. 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 Puis, euh, fait que là, dans ta cédule, Marc-André, de 2024, ouais. des courses ouais. euh, Lavalterie, première course en circuit pour que le monde aille se réchauffer un peu. Après ça, Valcourt, qui est une très grosse course, on le dit. Après ça, vous allez où? À Robertval. Festival d'hiver de Robertval, effectivement. On va aller faire un petit tour là. C'est deux jours. Ça va être le samedi et le dimanche. On va aller là avec la petite gang. Puis la dernière devrait se dérouler. Ça, c'est le 24-25 février. Je ne me rappelle pas j'ai dit la date. Et le 9 mars, on s'en va dans le coin à Arsène. C'est hometown. C'est la course de Sainte-Geneviève de Batiscan. Sur la rivière. Sur la rivière, sur directement. La rivière, directement. Ouais. Ouais. Puis ça. à, à mmh. Ramberval, c'est sur le lac Saint-Jean? Oui, c'est ça, c'est directement parce que la Marina, parce que le grand départ là, des, euh, la, de la Nage, là, pour traverser du lac Saint-Jean, c'est à la même place, euh, sauf que là, bien, tout est gelé, les voiliers sont serrés, et puis euh, nous autres, on court là. Puis, euh, des, courses de puis des courses de moto puis des courses de moto. Ils séparent les de... euh, deux fins de semaine un peu comme, euh, okay. comme pour faire deux, euh, deux courses différentes. Fait que la première fin de semaine, euh, si c'est la SCMX qui, qui va être là. Euh, mm -hmm. La gang de Snowcross qui sont super cool avec Mathieu Buteau. Puis euh, nous autres, on y va l'autre fin de semaine d'après euh, pour les deux jours. Puis euh, have fun, euh, on va, on va être là. Puis euh, là, tu sais, l'hiver au Québec, c'est pas trop facile la météo. C'est compliqué. Euh, l'année passée, à Valcourt, on a vécu euh, une situation spéciale parce qu'il avait fait très chaud dans la saison où il pouvait arroser. Puis, il n'y avait pas épais de glace. Il y avait beaucoup de misère à garder la glace. Puis, dans la fin de semaine, il a fait très chaud, fait que ça se détériore encore plus. Vous faites quoi? pour le restant de l'année, avec les températures, comment vous gérez ça? Bon, on est vraiment à 100 dépendant de, de qu ce qui se passe. Puis, il faut s'adapter avec ma nature. Euh, on peut euh, dire qu'on veut faire euh, 153 courses dans l'hiver, mais si ma nature dit qu'il fait zéro, euh, écoute, on. Écoute, y a, t as, t as la, la gang, tu as un circuit dans le bout de Valleyfield qui s'appelle le, le circuit Kilowatt. Les okay? autres, ils coursent. C'est un peu, je pense que c'est un, une place, ça, ça donne avec le fleuve. Okay. Ben, sur 10 ans, ils en font peut-être ben juste 3. Parce que c'est à l'eau vive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut, là, faut que tu prends, Faut que tu ailles des, des, des moins 30, moins 35 réguliers, réguliers régulier, pendant des semaines et des semaines pour que les autres soient capables de courir. Fait c'est sûr que la météo, on tire, on... Mais vous n'arrosez pas. Dans le fond, vous n'arrosez pas pour, pour que la glace soit plus épaisse. Ou... Oui, oui oui, ben, oui, 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 oui. À, à Saint-Geneviève-de-Batican, ça la oui. rivière. Oui. oui. Eux autres, ils oui. déneigent, comme là, là, ils viennent de tomber un 40-50. Euh, Bon, et là, eux autres, ils n'ont pas le choix. Il faut falloir qu'ils déneigent. Je sais pas comment ils vont s'organiser parce que là, c'est rivière, tu as les courants, tu as les marées aussi parce que ça donne avec le fleuve. Euh, mais eux autres, ils arrosent. Du moment qui il y ils arrosent de nuit en plus. Là. Okay. OK. Ah non, écoute, c'est de l'ouvrage, là. beaucoup d'ouvrages pour une journée de course. Bien, c'est ça. Puis, puis tu sais, c'est encore comp... en pire, je trouve, parce que, tu sais, il y, y a beaucoup de disciplines aux courses, puis on va en parler dans chaque podcast. Il euh, euh, y a beaucoup de, de classes. Y a beaucoup... Mais les courses sur glace, c'est exceptionnel parce que tant que tu peux voir dans les conditions parfaites, de glace parce que la température était le fun, puis de course, c'était écœurant. il y a des chances que ça ne t'arrive pas une deuxième fois, là, que tu retrouves les mêmes conditions, c'est important mm. euh, oui. pour les gens qui veulent aller voir. Euh, Remets pas ça l'année prochaine parce que ça se peut que l'année prochaine ne d'aille pas, puis tu ne verras reverras peut-être plus jamais. On s'entend qu'au lac Saint-Jean, il va faire tout le temps un petit oui, peu plus froid, oui. il y a des chances oui. qu'on ait de la glace. C'est un peu ça que j'allais dire, s'il si, si y en a qui veulent pratiquer, ben écoute, ils y ont a, y a certains contacts au lac, il y en a certains qui ont des contacts au lac, un petit peu plus haut, au Barval, les autres, c'est déjà, déjà gelé, tu sais, ça roule déjà, ça se pratique, que si tu as des petits, petits contacts à gauche, à droite, tu peux toujours, tu sais, appeler les gars, hey, « vous faites un petit circuit pratiqué? »« Oui, oui, on va monter, tu mais pour l'instant, mettons que nous, comme même dans la région de Québec, je dirais même presque Trois-Rivières, T'sais, la glace vient de prendre à, sur la rivière de Baticaine. Oh. Il y en a un peu. Là, Moi, mais... j'embarque sur la glace depuis le 16 novembre. Depuis le 16 novembre que, 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 je, que je sonde les glaces puis que je marche dessus. J'ai un lac dans le coin chez nous. Je ne suis même pas résident du lac, Puis les résidents alentours du, du lac, ils attendent que le fou Arsenault aille sur le lac pour, <laughs> voir, pour, voir. <laughs> pour voir si c'est safe. <laughs> mais non, mais c'est ça, mais je veux dire, arriver là avec, mettons, 90 pilotes, et trailers, toute l'équipe. C'est sûr qu'il faut attendre qu'il y ait un peu plus de glace. Que, là, qu que, avant tu sais, qu'il là? neige, là, ça faisait comme deux, trois semaines qu'on qu tournait, là, régulier à tous les week-ends. Là, avec la neige qui vient de tomber là, là, on est un petit peu dans le caca, comme on dit. Il faut attendre. Il y a des sites d'entraînement, comme justement la piste de Sainte-Geneviève, où est-ce qu'on va faire notre course le 9 ouais. mars. Durant l'hiver, quand que les conditions le permettent, c'est un, un site d'entraînement. Okay. Okay. À tous les samedis, de 10 h le matin jusqu'à 4 h l'après-midi, ça coûte un certain petit montant, tu t'en vas là et tu roules. OK, c'est cool. Il y euh, tu sais, tantôt, j'ai nommé un paquet de, de coureurs qui ont qui ont, qui ont, été, euh, qui ont passé au travers du temps, qui ont gagné beaucoup de championnats. Je pense qu'il y avait une certaine expertise qui venait de ces coureurs-là, qui ont, qui ont développé. Là, ça a beaucoup évolué, les pins, comme on disait, les moteurs, les, 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 la mécanique. Tu on roulait avec des deux temps, voilà, 20 ans. À cette heure, tout le monde roulait avec des quatre temps. Tout le monde roulait avec des affaires spéciales. Euh, c'est quoi qui est à vérifier? T'sais, mettons quelqu'un qui arrive à, à Valcourt, qui vient voir ça cette année, qu'est-ce qu'il devrait regarder plus au niveau de la technique de qu ce qu'il va avoir? C est, c est, dans le fond, ce que je dis, c'est que les coureurs amateurs, est-ce qu'ils est qu se développent aussi vite que les coureurs amateurs qui avaient dans le temps? Moi, je me souviens, tout le monde qui courait avec moi en amateur. Ils ont tous monté pro, puis ils ont tous gagné des courses en pro. Euh, je pense qu'à ce temps, c'est pas le plus dur. Là. Je pense qu'il y a une coche de plus. Là, les pilotes sont prêts, sont en forme aussi, je te dirais. Il y en a beaucoup, là, que les top preneurs, je dirais, qui, qui s'entraînent, ils mangent bien, ils font des, beaucoup de séduits de l'entraînement. Fait que ça aussi, je sais pas, dans le temps, malheureusement, je n'étais pas là. fait que Arsene pour le dire, mais Arsène me comptait des histoires, qu'il y en a qui gagnaient des courses en allant arrêter en fumant une cigarette sur le bord. Alors, euh, on a des noms. On a, on a des, des noms. <laughs> c'est ça. Mais oui. je veux dire, l'époque a changé aussi. Puis, comme tu dis, les pins, la suspension, la technique, l'accessibilité aux informations. Aujourd'hui, en 2023 2024 euh, beaucoup plus facile de t'informer sur, sur le domaine. Euh, tu peux aller faire des recherches en ligne, euh, qu'est-ce que tu voulais comme pins. T'sais, t'sais, ça se fait bien aussi. Peut-être que. On peut peut-être en chérir là-dessus. Mais... écoute, c'est encore du. On, on s'entend que partout où tu as de la... des courses de mécanique, les courses de moteur, c'est Money Talk. Il hein? y a beaucoup une question de budget aussi. Bon, si on prend un exemple comme à Valcourt, à Valcourt, on est limité un peu dans notre horaire. On peut pas. Dans le meilleur des mondes, ça nous prendrait une classe amateur, une classe inter, puis une classe pro. Pour que amateur, ça soit vraiment des beginners. Là, ce n'est pas le cas. Tu as des gars qui ont un petit peu d'expérience, on les laisse dans l'amateur. Ils n'ont pas assez pour monter pro, parce qu'il y a toujours le côté sécuritaire là-dedans qu'il faut regarder, oui. là, vu que ça oui. roule vite. Euh, tu sais, des vraiment, vraiment beginners, il euh, y en a, mais c'est plus rare un peu. On en laisse t'sais, on laisse des gars qui ont un petit peu d'expérience qui sont passés vite pour le pro, mais… Euh, c'est beaucoup, beaucoup une question d'argent aussi. Là. Il y a des gars qui arrivent là, écoute, en, moi, en quad, euh, aller mettre 30, 40 000 sur un bike, le bike au complet, là, je te parle, là, prêt, ouais. set race-ready, tu mets ça sur la track, là. ça la il y en a qui ont des bikes qui coûtent des gros sous. Tu peux ouais. mettre jusqu'à 40 000 sur un quad, mettons, pour être capable oh. d'être compétitif et de, ben, de rouler. Ben, euh, ben, ben, ouais. tu, fais venir un, tu fais venir un frame des États-Unis, ultra-léger. Écoute, il y a des frames en titanium à ce stade. Un frames en titanium, c'est 14-15, juste le frame. Ah, Ça, c'est juste un bout de, de tuyau soudé un en arrière de l'autre. Tout nu, tout nu. Là. Là, ils viennent de te coûter 14-15. Tu n'as pas mis de moteur encore dedans. Là. Pas de table de cerveau. Pas de table pas de cerveau. Les... Hein? Hein? C'est que... aussi un catoum, il faut se le dire. Hein? C'est tout en double. Ouais. Et tu payes tout en double. Oui, ouais. euh, Comparé à une moto, là. Euh... Mais je pense que les motos, euh, surtout les motos qui sont utilisées, c'est des types motocross, des 4,50 la majorité du temps pour les, les grosses classes. Euh, les, je pense que les motos sont hautes aussi, sont faciles, c'est facile à modifier. Je pense que la base est, est facile à modifier. Puis d'origine, ils naissent bien. T'sais, ils naissent bien pour qu'est-ce qu'on veut. fallait fait. chercher n'importe quelle moto, qu et Honda, etc., puis mettre deux terres à glace, puis des euh, gardes pour se protéger, son souffle, bien sûr, le casque. puis fallait se pratiquer directement avec ça. Pas besoin vraiment d'un setup de suspension à 2-3 000, pas besoin d'avoir un paquet de moteurs. T'sais, déjà de te familiariser avec le bike. Tu sais, c'est comme un peu l'été en flat track, tu sais, on met deux pneus, c'est un petit peu la suspension, puis t'es es prêt, là, tu sais, t'es prêt C'est à... pourquoi, pourquoi la raison, ça? C'est parce que c'est les compagnies, ça. Tu sais, en, en motocross, là, t'achètes ça flambant en eux, là, t'as des plate numbers en avant, puis deux en arrière. Tu mets des numéros là-dessus, tu te mets un casque, des lunettes, des bottes, tu t'en vas aux courses, c'est déjà race ready. Les mmh. compagnies travaillent fort pour avoir la meilleure machine possible. Tandis qu'en quad, tu as une lumière en avant puis une lumière en arrière. Donc, c'est conçu pour monsieur tout le monde. Allez faire de la trade, là. Ben, Écoute, c'est conçu pour même si le Y le, le, le YFZ-450 R 2024, on sait très bien qu'il y, y en a une partie là-dedans qui s'en vont aux courses, mais il y a quand même des lumières en avant et une lumière en arrière. Fait que c'est fait à la base pour faire de la trail. C'est nous autres qui s'entêtent à, à prendre cette machine-là et l'emmener aux courses. De, de là, les coûts exorbitants, mm. fait que, là, il faut que tu upgrades le moteur, puis Il y a bien des suspensions qui changent tout ça. Là. Il s'est rendu euh, proche de 6 000 un set de suspension. Là. Tandis qu'en motocross, là, les gars, ils n'ont pas ça à faire. Tu pas besoin. Fait que les machines sont déjà prêtes, hyper performantes. Puis, tu sais, c'est off, ça va bien. Mais on s'entend que, bon, les gars qui vont avoir sa ligne à avec, Valcourt, avec euh, dans le Moto Pro, c'est tous des bikes sortis de chez Dealer. Mais euh, tu le regardes vite, vite de loin, il hein, y a l'air stock Mais ce <laughs> n'est pas stock partout. Il y a ça. des ram de Dino là-dessus, <laughs> là, puis des pipes, puis des throttle body, puis des. Euh, des, des systèmes de, 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 de fuel management. On parlait pis... du NEC aussi, là, tantôt, là, justement, et le langue oui. de fourche là, qui est un petit peu monté monter, là, comme tout dépend de es, l'angle quest ce que tu veux faire, ton style de pilotage. Et, et puis, puis ça, je pense que le monde, ils ne comp... il, 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 il savent pas, puis ils comprennent peut-être pas comment ça marche, mais tu sais, il y a, en, aux courses de moto sur glace, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer l'angle de fourche en avant pour avoir la, la, la fourche un peu plus droite, puis la roue un peu plus vers toi pour dégager. Tes poignets pour que tu sois capable de tourner pour avoir un angle d'inclinaison. Et ça, c'est de la géométrie. Tu sais, ah. C'est quelqu'un qui va souder un morceau dans son garage, mais il va changer la géométrie d'une un, moto. La première fois que tu essayes ça là, puis que tu roules sans mlaleur, euh, tu t'assures que la géométrie était correcte. <laughs> le premier, le premier qui, celui qu'on dit le père, l'inventeur de tout ça, c'est notre fameux Marcel Fournier. OK? Mais lui, là, il, a eu il, a, il reste à Val-d'Or. Il commence à rouler sa glace à mi-septembre. <laughs> il a eu le temps en masse là, de, de, de souder, puis de dessouder, puis de ressouder, puis de replacer, juste à temps que les courses arrivent en janvier. Là. Fait quand il est arrivé la première fois avec ça, c'est sûr que le monde. Puis même, je ne suis pas sûr si ce n'est pas lui le premier qui est arrivé aux courses avec un motocross. Sur glace, parce que les anciens, que tu te parlais tantôt, euh, euh, Mercier et compagnie, c'était des bikes de flat track. Là. Il n'y avait pas personne qui roulait en motocross. Ah, okay. Lui est arrivé là en motocross. Okay. Fait que, il, y en a, il a innové beaucoup. Aujourd'hui, si le sport est rendu, où est-ce qu'il est là? Marcel Fournier, il y a une grosse part là-dedans. Ben, je te dirais que les pins, juste les pins, là, je te dirais que beaucoup, 60, plus que 60 70 des gens utilisent les MF44 qui viennent de, justement de. C'est lui qui est fabriqué. C'est lui qui est fabriqué. C'est lui qui est fabriqué. Puis, euh, Parce à l'époque, c'était des, des vis à chiprock. Hein, Bien, hein, écoute, c'était. Je t'approche de ça. Oui, ouais. on ne se le cachera pas. Là. Les têtes, là, écoute, les têtes étaient. Il y avait, je pense, une affaire comme 2 mm. Aujourd'hui, on est rendu à 11 et à 12 Maxima. mm. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, là, ça a évolué. Oui, oui. Ouais. Tu sais, euh, l'année passée, on était à Valcourt, euh, Dans la classe pro, il y avait 20 pilotes pro euh, dans, dans les deux catégories, quad puis, et euh, puis moto. En moto, là, il y avait beaucoup de pilotes. De différentes disciplines. On a eu des pilotes de circuit routier, des pilotes de flat track, euh, des gars qui, ont, qui sont plus juste course sur glace. Mm -hmm. D'après vous, c'est qui qui a le meilleur potentiel de faire le meilleur pilote de course sur glace à base, son entraînement, son année, tout. Qui, qui a le meilleur profil pour faire un bon pilote de course sur glace Moi, écoute, j'irai avec celui-là de flat track parce que la base reste l'ovale. C'est virer vite sur un oval c'est il y a une certaine ligne à prendre, as des techniques à faire aussi pour placer le bike dans, dans, comme tu le veux autant en quatre aussi. Puis tu sais, j'enlève rien aux autres. Aux autres. C'est juste que la, je crois que ceux qui sont dans le flat track l'été à force de glisser avec la moto. C'est un peu le même principe l'hiver, sauf qu'avec les pines, comme Arsenis disait, ça s'est rendu que ça colle tellement à cette heure que là, tu es rendu que tu vois des gars de road race arriver. Puis vu qu'il faut que tu tiennes un petit peu plus les roues alignées, puis c'est moins le cabré, puis c'est moins... De... Ben, ils s'en viennent tranquillement là, plus vite là, que aussi vite les gars de flat track là, euh, sur la C'est un côté quatre roues. Euh... Bien, moi, je vais dire, euh, écoute, celui qui, est le plus, celui qui va être le plus susceptible de gagner autant en quad qu'en moto, c'est le gars qui va rouler premièrement à l'année avec sa moto sur toutes sortes de surfaces. On, on, mettons, on, on prend la moto. Bon, oui, un pilote de flat track va faire un excellent pilote de glace, probablement, mais si le gars fait du supermotor en plus, il ouais. y a plein de facteurs. Là. En supermotor, tu sautes, tu as, as des virages sur sa terre qui, qui ressemblent un peu à la glace, tu as des virages sur l'asphalte qui, qui ressemblent aussi à la glace. Un pilote qui va. Parce que moi, à un moment donné, J'étais allé euh, à Glamis, en Californie, faire du quad avec les, les Américains, Shane Hitt, Tim Farr, puis Harold Goodman, puis tout ça. Puis il euh, y a un matin, après avoir sorti les quatre roues du trailer, je euh, pars, je me mets de jogging, puis le gars me regarde. « Tu t'en vas? Bon, »« Moi, ben, on faire mon jogging. Moi, j'aime ça. Je me tiens en shape. »« Si tu veux être bon en quad, il faut que tu fasses du quad. »« Du quad, du quad, du quad, du quad, rien que du quad. »« Fait faut que tu aies des ampoules d'un main à l'année. »« En fait. »« Plus t'en fais... »« Brut du gaz. » meilleur tu vas être, OK? Puis en moto, c'est la même chose, je suis sûr. Dominique Beaulac est un excellent pilote de flat track, roule sur glace. Je me souviens pas s'il a essayé le Supermoto, par exemple. Oui, Prends... oui, 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 je l'ai vu en Supermoto. Je l'ai bon, vu une ouais. coupe de fois en Supermoto. il faut que tu fasses de n'importe ouais, quoi. Il faut que tu fasses de n'importe quoi avec ta moto ou ton quad. Puis là, tu, tu risques de, de, de ressortir du lot un petit peu. Là. Mais je veux pas vous contredire puis je veux pas qu'on rentre dans les noms de gars, mais j'ai vu des gars qui ont juste fait de la glace, des gars du Lac-Saint-Jean, là, ne qui sont arrivés, puis qui ont chauffé pas mal, là, ça, ça, ça roulait en avant, là, c'est pas des gars de quad, c'est pas des gars de road c'est pas des, des gars qui ont fait plus de glace que les ça. autres ouais. qui ont... Puis, Marcel Fournier, qu'on parlait tantôt, c'est un gars qui était essentiellement pilote de glace toute sa carrière. Oui. Non, ça fait vrai, que je pense que peur. les gars qui font de la glace, ils sont bons aussi, José. Les gars qui ont, qui ont de l'habitude là-dessus, il y ont, a ils ont une coche. Là. Mais Donc, ils en font beaucoup de glace. Parce que oui. Tu viens de parler de Val d'Or, puis tu viens de parler du lac Saint-Jean. Quand les gars commencent à, à début novembre, mi-novembre, puis après ça, les gars arrivent après ça, en janvier là, pour les premières courses. Alors, a... Marcel Fournier, là, il brûlait, je pense, ses deux... 2,45 gallons de gaz avant de se présenter à la première course. <laughs> nous style. autres, souvent on avait un 5 gallons de bruit, tant que ça l'abet. La ouais, c'est parce que le gaz coule à terre en plus. Euh, J'ai la réponse, mais le monde qui nous écoute, ils, ils savent pas Ça a l'air dangereux. Ça a l'air vraiment dangereux course sur glace. Est-ce que c'est. Est-ce que ça a l'air dangereux ou c'est vraiment dangereux? Moi, je vais répondre les deux, mais avec un certain contrôle et des certaines règles l'équipement. Je pense qu'il y a moyen de rendre ça très sécuritaire aujourd'hui en 2024. Okay. Surtout que la technologie des équipements, des casques, des soupes de cuir et tout, là, les gardes, effectivement, mais ça reste hyper spectaculaire. Comme je disais tantôt, à tout moment, il peut malheureusement arriver quelque chose. T'sais, on roule 150, 155 km/h. Des fois, ça dérape. Il y en a deux, trois à côté de toi. Tu es impogné déjà. Chez peine mais écoute, euh, c'est un des sports les plus sécuritaires, je pense, qu'on peut. Euh... Et, et on ne se le cachera pas, là. tout sport mécanique. Ouais. Comporte des dangers. Les gars, en Formule 1, il y a des. Écoute, ça, ça dépense des millions de dollars pour, pour mettre le, le pilote en cage. Puis Christ, ben. il magane pareil. Il y en a <coughs> qui se font péter, qui se font arracher deux jambes. Là. Là, tout sport mécanique comporte un certain danger. Euh. Écoute, aux courses, on vérifie parce que des fois, il y en a qui pensent euh, oh, les gars, ils vont aux courses, euh, prennent de la bière. -ce pas? Non, 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 non. Écoute, moi va dire en affaire, là. Lui, autant que moi, puis même toi, quand tu étais avec nous autres l'année passée, on était un peu des chiens de garde là-dedans. Là. Oui, hein? Moi, là, si je vois un gars pendant une journée de course, le gars est habillé en pilote avec une bière dans les mains, je m'en vais le voir, puis j'ai dit Tu peux te déshabiller, mon homme, ta journée est finie, là. Mm -hmm. C'est est fini, fini, là. C'est même moi aussi ma responsabilité en tant que promoteur, même si je sais que j'ai une équipe qui, tu sais, qui est exceptionnelle, même si la job est en train de se faire faire, tu me verras jamais avec une bière en disant Carline, notre journée va bien. Ça va être après les courses, puis je veux donner l'exemple aux boys. Là, tu sais, là, ça a tout le temps été ça. Hum. Euh, Daniel, tantôt, tu parlais de Stockard. Je me souviens, quand on était plus jeune, on allait aux courses de Stockard. Nous autres, on est dans la région de Romanville, puis il y a un paquet de pistes à l'entour, Saint-Marcel, Saint-Guillaume, <coughs> Drummond. Puis, le fun, quand on regardait les, les courses, c'était ben c'est s'il va pas bien celui-là, j'aimerais ça qu'il plante. Puis c'était quasiment drôle parce que le petit gars il se faisait rarement très mal, puis c'était cool. Course de moto sur glace, tu es sur le bout de ton siège, puis tu veux pas un qui plante, là. tu veux tu veux pas un qui plante, tu veux qu'il se fasse dépasser mais tu veux pas qu'il plante parce que tu as un sentiment de savoir que c'est dangereux là, tu sais. Ben tu sais, on regarde ça là, puis les courses sur glace là, on parlait des pins. Là. la première affaire que je pense, il y en a un qui plante là. Les pins qui s'en viennent. Ah, mais j'ai déjà vu, là, en 40 ans. C'est Puis écoute, je te dirais, c'est quasiment pire qu'une scie mécanique, là. Ça doit. Hein. Ah non, j moi, j'ai vu ça, là. Euh, les, justement, là, les en, en, en moto, les gardes, là, sur les roues avant-arrière, là, c'est à cause de quelques, quelques accidents comme ça qui est arrivé. Là. Moi, j'ai vu deux gars, là, virer, virer une curve, là. Puis euh, le gars, inside, a gazé avant l'autre. La roue, il a levé, il n'y avait pas de garde. Puis le gars, il a, il a sectionné là, à peu près tout ce qu'il y avait ici comme vanne comme van, peau. Ça, ça, fait comme une scie. Là, ouais, oui, 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 oui. Que... Ouais. Ça en est bien sorti, lui, mais ouais. euh, ça, ouais. ça, ça, ça a été… Euh, ouais. Moi, j'ai une paire de bottes chez nous. Là, la botte intérieure a repentigné dans le temps. C'était quand même une grosse course. J'ai gagné, gagné le heat. Puis le, au départ, il y a un gars qui m'a passé intérieur. Premier tour, puis il m'a passé sa botte. Ouais. J'ai tous les trous. j'ai pas rien eu au pied, mais tous les trous dans la botte sont encore là. là il que que, y a 45 ouais. trous sur le bord de la botte, mais ça va passer dessus. Là, non, aussi, je vais hum. dire à Robert Val, dans la catégorie justement Moto Expert, on nommera pas de nom, mais il y en a un justement qui est arrivé d'un pit, un petit peu fâché, il vient me voir, il dit ah, là Ta barbette va faire que les gars se calment un peu, ça roule fort aujourd'hui, puis tout ça, mais les gars voulaient absolument gagner aussi. Puis là, je regarde le côté de son basic, puis tout le côté, je ne sais pas si vous savez comment c'est fait un peu motocross, mais la boîte à air, souvent, tu peux avoir accès, tu un panneau, sur euh, le côté, puis euh, le côté au complet du plastique tu mangé, manger, la boîte à air est à manger, mais si tu regardes où ce que le gars s'est assis sur le bicycle, c'est où, directement où est-ce que sa jambe. Fait que là, je regarde sa jambe, je fais « Comment ça se fait que t'es pas magané sa jambe? Ben, » Mais il dit « J'étais à l'avant sur le bicycle parce qu'on rentrait dans le croche. » Il dit « J'ai arrêté dans la ligne. » Un petit peu en sortant, il dit « Mon homme, il dit, je me fais... » je te dis, là, manger, là, comme c'était un, un werewolf, tu sais, c'est incroyable, avec, là, euh, ça se passe comme ça. Ouais. Ouais.

Moi, je, je, en ce que les, les gens qui nous, qui nous écoutent, je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Tu sais, le podcast va être diffusé juste avant la course de Valco. Valco, c'est un méga événement. C'est sûr que tant que vous êtes loin, c'est peut-être compliqué, mais tu sais, l'avantage de votre championnat, je pense qu'il y a des courses un peu partout. Ça, ça permet de pouvoir se promener. Ça vaut la peine. Puis remettez pas ça l'année prochaine, parce que tant vous remettez ça l'année prochaine, bien, ça se peut que la météo soit pas sur notre bord, puis ça se peut qu'elle soit cancellée. puis ça se peut qu'il des choses ouais. comme ça. Puis. Le niveau, là, le niveau des pilotes, là, il n'a jamais été aussi élevé que ça. On avait des pilotes euh, Champion Canadiens de tous les types. De tous les types. Puis... Écoute, ça a fait des courses incroyables, mm. là. Des, des courses incroyables. Puis en quad, il y a des gars qui ont passé au travers du temps, des gars qui sont là depuis longtemps, comme Marcel Mais tu sais, il y en a une coupe de nom de même que, mm. que tout le monde passe, c'est un chandail justement qui, qui, qui en a à la preuve. Les, les gars, ça fait longtemps qu'ils roulent, ça fait longtemps qu'ils sont, qu'ils sont hot, puis ils sont encore hot. Puis les nouveaux sont hot, puis ils ont réussi à passer au travers. Fait que c'est, vraiment spécial. Euh, écoute, Valcourt, là. On, malheureusement, on prend seulement que 20 pilotes par ouais. classe. On a quatre classes, deux classes en quad, deux classes en moto. Fait que, tu sais, on fait pas de sélection par contre là, mais on se ramasse souvent avec le meilleur, meilleur, meilleur contingent de pilotes que pas là. Écoute, l'année passée, là, autant en moto qu'en quad, là, je te le dis là, c'était moi qui ai connu toutes les générations de pilotes de quad et de, de moto. J'avais jamais vu ça de ma vie là. Ouais. En moto, là, c'était, écoute, écoute. Il manquait cette valeur parce qu'on a essayé. De... Moi, j'ai gossé Andrew un ouais, peu. Il là. manquait Andrew puis Pascal. Ouais, tu sais. Euh... Il manquait ces deux gars-là, là, mais le... écoute, c'était débile. Les ouais. noms qu'il y avait là, ces listes, là, c était, c était en quoi gros... de la même affaire? Les ah, écoute... gros noms des gars et des gars qui ont passé au travers du temps. Des, tu des... Valcour, tu gagnes le balcon, tu viens de la jambe. Là. Tu, tu gagnes un titre. Tu as courant au-dessus de toi. Ben, tu sais, moi, là, du point de vue que j'étais l'année passée dans le tour de contrôle, puis je regardais dans les estrades, le show de moto, puis je ne veux rien enlever au restant. Il y a, y, a, y, a, y a des beaux sports motorisés dans tout là, mais le show de moto puis de quad qu'on a donné l'année passée, qu'on qu a réussi à présenter, c'était... Le monde était debout. De écoute, le, le samedi soir, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le soleil... Ça avait été <laughs> coup, <puis> la journée. <laughs> ouais. Le soleil commençait à se coucher. Il commençait à faire quasiment noir. et Les lumières étaient moyennes. Puis, tu sais, les pilotes, ils ont dit, on va embarquer pareil. Puis, on a réussi à présenter le show. Le, écoute, on, on, le monde était sur la piste. Il, Capotaient, les, les flag capotaient, tout le monde Tout le monde sont restés pour le, nos finales, là, puis après ça, aussi, il restait d'autres cloches, malheureusement, mais tu voyais qu'après ça, le monde, c'est ça qu'ils venait voir. Ouais, Ils venaient vraiment avoir le show. les shows de moto VTT. Là. Hey les gars, euh, t'as qu'on terminé notre podcast, on est quasiment terminé. Je termine avec des questions à rafale, fait que j'ai des, des petites questions à vous poser, je vais y aller un après l'autre, c'est bon. Marc-André, ta traque préférée de course sur glace au Québec? C'est hum. sûr, c'est faut que je dise Oui? Ça, c'est définitif. C'est sûr. C'est oui. Arsène, ta plus belle victoire sur la glace que tu as eue. Écoute, curieusement, là, sur glace, j'ai déjà gagné des hits à Valco, mais ma plus belle victoire, c'est une course qui existait dans mon temps chez nous à Saint-Narcisse. C'était aussi big là, que, que c'était la plus grosse course de glace qu'il y avait dans le temps. J'ai gagné là à quelques occasions, euh, des, tous les week-ends complets. Avec mon TRX 250R 1988, ça fait que ça te donne une idée, ça fait <laughs> combien de temps C'était. Puis euh, j'ai très bien roulé à saint geneviève de batiscan quand on a eu oui, deux trois oui. ans, j'ai sorti le Benchy comme ça, euh, random, puis euh, j'ai roulé en avant toute la journée. Puis le monde il sous-estime, hein. tu sais, t'as conduit en home track, là, T'sais, tu viens de cette place-là, tu gagnes chez vous, c'est du monde qui te connaissent. C'était que le feeling ah, que ça donne, c'était ouais. que Écoute, hein. écoute, même après 40 ans de course, là. Faire un podium, là, je te le dis, il n'y a pas un gars, il a pas un pilote de course qui va venir me dire oh moi, ça, 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 ça m'énerve pas plus que ça, c'est pas vrai. Là. Quand tu te présentes à une course puis que tu fais un podium, là, que ce soit peu importe la marche, c'est sûr que la première, c'est la ça plus convoitée, mais euh, faire un podium, c'est hot, là. Marc-André, ton plus gros défi en tant qu'organisateur, on va dire le financement. Ah, oh, le financement? Ouais, es oui, ça prend de l'argent à euh, faire ça, ça. Ça prend un petit peu, <laughs> oui, c'est une petite affaire. Je vais dire. Euh... Ah, oui, ça prend de l'argent. Oui, oui, oui. Ouais, euh, euh... Je pensais que les promoteurs, ça roulait sur l'or. <laughs> <puis>, euh... <laughs> oui, effectivement. non, non, ça en face, c'est de trouver du financement pour. C'est pas que les compagnies ne veulent nécessairement pas embarquer. Oui, ils veulent nous supporter. Si oh, oui, on va vous supporter, pas trop. C'est surtout, tu sais, on est revenu dans un temps où l'écologie, les, les écolos sont, sont très forts. Puis, tu sais, les compagnies veulent vraiment opter vers un nouveau virage vert, plus vert tout le temps. Fait que souvent, là, bien, leur, leur, leur financement pour dire, hey, nous autres, on, on s'en vient brûler du gaz, on fait des courses. C'est sûr que c'est un petit peu plus dur d'avoir du financement à ce niveau-là, mais on s'en sort, on réussit à s'en sortir euh, toujours. Mais. Es tu es-tu en train de me dire, là, tranquillement, pas vite, là, que le financement de sport motorisé, ça va donner un petit peu plus difficile pour les promoteurs à cause que là l'écologie, euh, les gens sont conscientisés là-dessus. Je vois moi je vais répondre oui. Okay. Je vais répondre oui. Puis ce qui est plate là-dedans, c'est que tu sais, <coughs> écoutez, c'est pas écologique c'est sûr que c'est pas écologique là, on s'entend là, on brûle du gaz, puis on brûle du gros, du oh. gros gaz, mais tu sais, on parle de 20 basic qui font des hits de 8 tours, 10 tours, 16 tours, et c'est vraiment pas beaucoup. 3-4 fois dans une fin de semaine, c'est rien. Il n'y a pas eu 120 000 vols commerciaux hier aussi? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça même, là. Non, non, écoute. C'est un détail, c'est une goutte d'eau dans un gros océan, puis tu sais, je pense qu'un spectacle, c'est un spectacle, puis ça, c'en est un vrai spectacle. Je pense que de vouloir, surtout dans notre domaine, à nous autres, de vouloir mettre ça le plus écologique possible, je pense que c'est de taper sur le mauvais clou, là. Mais pas du tout. Là, tu vois-tu? Même moi, étant dans l'organisation du GP3R, euh, j'ai eu des discussions là-dessus avec Dominique Fugère, qui est le directeur général. Il aurait aimé qu'on roule au gaz de carotte, là, euh, mettons, euh, le week-end que, que, que j'organise la course au GP3R. Tu sais, écoute, on, il y a à peu près, là, en termes de temps roulé, là, il y a peut-être une heure et demie dans la journée là, où c'est qu'il y a eu des moteurs qui tournent. Ce C'est pas, pas ça qui va changer l'empreinte carbone. Là. Il y a 350 000 personnes qui vont voir l'événement en deux semaines, puis ils Bien. vont tous en voiture. Fait Bien, que, c est c est ça sûr. c'est ça. Bon, J'aurais peut-être rajouté quelque chose là-dessus aussi. Oui. Au niveau, là, on, moi, personnellement, en tant que promoteur, c'est sûr qu'un exemple électrique s'en vient. On a la Stark Vague prochainement là, qui risque de peut-être faire un, une petite apparition, je ne dis pas quand, mais ça pourrait être très possible, puis très bientôt aussi dépend s'ils sont censés les recevoir. Là, à date-ci, ce date, ici, où on se parle, c'était pour le, le, parle, le motocross électrique. Motocross probablement 100 électrique. Le plus puissant qu'il y a sur le marché présentement, est... qui est probablement une coche en avant des moteurs 4 temps, mais on ne le sait bon, pas. Là. Donc, que... On en avait un la semaine passée sur le lac à Tortue, où est-ce que j'ai collé une, une sorte de petite démo. Puis je pense que le gars, il a fallu qu'il le recharge trois fois dans le jour Ah ouais, ok. okay. 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 Est-ce que est c'est -ce est -ce est, peut-être ce genre de patente-là qui va à, à dire aux, aux, aux compagnies de oh, Ouais, crème, mais si ça devient plus électrique, on a une classe électrique, on va là, tu sais, on sait pas. On ne sait pas. C'est à voir, ça va savoir. On va savoir, Mais moi, je suis prêt à faire le pas, mais c'est sûr, sûr que j'enlèverai si jamais les Bessics à C'est sûr que s'ils veulent, ça rajouter pas trop, mais les Bessécs à sont là pour rester, ça c'est sûr. Arsène, ton quad préféré, c'est quoi? Écoute, quand on parle de, de course de vitesse, je pense que c'est mon, mon Yamaha, mon Benchy, mon Yamaha Benchy 421 Arsène Racing Shop. Le Red Bullet. Euh, ouais, le Red Bullet, c'est mon bike rouge. Ça sort à 39 forces d'origine, puis comme je disais tantôt, j'en ai entre 100 et 105. Écoute, j'étais un engine builder, ça fait très, très, très longtemps. Ça fait longtemps que je course, mais à toutes les fois que je me scie les fesses sur le banc… La gueule me fait ça tout le temps tout le Sans temps tout le temps. un 4 roues là. Euh... C'est assez, hop. c'est mon pour faire des épreuves de vitesse c'est mon genre. C'est du rabat. Oui. Quand même. Oui. quand même pas pire, on a des trucs d'autres à 500 forces. Oui. <laughs> oui. vrai, non, mais c'est oui. quand oui. tu fais et la et comparaison, c'est ça. Là tu as le rapport poids puissance. Oui, non mais c'est ça que je te dis quand tu penses à ça là, c'est incroyable. 375 livres pour 105 forces là, ça commence à Non, c'est commence à ça commence à être bon. Marc-André, un promoteur de course sur glace, ça fait quoi l'été? Ça organise des courses d'été. OK. Vous fait euh, faites quoi l'été comme course? Ah, courses de, des courses de Sidoux? <laughs> oui, c'est de l'ovale. <laughs> c'est vraiment de l'ovale. <laughs> non, non, mais c'est ça, pour vrai. C'est euh, le sport de, de Trois-Rivières. Je te dirais que celle-là, c'est notre, euh, notre bébé, c'est notre plus grosse course. Puis en fait, ça, tu travailles ça l'année. Il n'y a jamais de break là-dessus. Donc, l'hiver, c'est sûr que bon, ça a donné que je me suis lancé dans les promotions de course sur glace. J'adore ça. Donc, je continue. Puis euh, l'été, ben écoute, euh, on va le dire, Sean Ford, il fait une très belle série aussi avec euh, la North American Flat Track, de Flat Track. Fait que, euh, écoute, moi, je me concentre à faire euh, la, le plus gros événement qu'il n'y a pas euh, au Québec, à Trois-Rivières. Je peut-être même dire au Canada. Au Canada, pas, au Canada. Euh, c'est euh, ouais. pas mal la plus grosse au Canada. Donc, euh, c'est beaucoup de travail aussi l'été. Fait que je suis pas mal, je dirais, l'année longue. Mais après les courses d'hiver, il n'y euh, a pas de break. C'est direct euh, Trois-Rivières. Trois-Rivières. Ouais. Arsène, euh, tu fais tu fais quoi comme discipline en quad? Parce qu'on a parlé de course sur glace. Moi, je te connais fait longtemps. Tu fais quoi comme discipline en quad? Qu'est-ce qu'on peut faire comme course en quad? J'ai tout fait. J'ai fait de la course d'endurance. Moi, bon, Je vais y aller avec ceux que j'ai fait le moins souvent. Mettons, j'ai fait du drag un peu pour aller tester ça, pour aller m'amuser un peu. J'ai fait de la course d'endurance, euh, les 12 heures de la tuc. J'ai fait ça. C'est même nous autres. C'est Danny Gagnon et moi. Qui ont, qui ont instauré les 12 heures de la TUC. J'ai fait les 12 heures de Pont-de-Vaux en Europe, qui est un autre course d'endurance, la plus grosse course d'endurance au monde. Euh, je fais du flat track, j'ai fait du supermotor. Euh, écoute, on roule à mécoglisse euh, depuis le début des années 2000. Mm -hmm. euh, j'ai fait de tout, 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 tout. Il y a... Ce que j'ai pas fait, euh, sérieux, j'ai beau essayer d'y penser. Je... Je pense que j'ai pas mal touché à tout. OK. tu sais, les gens souvent qui connaissent moins un peu, tu sais, nous autres, dans nos clients, on a beaucoup de monde qui connaissent moins les courses. Puis, tu sais, je sais, moi, tant qu'on fait des voyages, on parle de courses, puis souvent, le monde, ils n'ont pas d'idées. Mais, tu sais, il y a vraiment beaucoup de catégories. Tu sais, tu prends le même, même véhicule, le même pilote, il y a vraiment beaucoup de catégories. C'est juste que souvent, des catégories qui sont moins populaires, pis moins médiatisées, puis moins connues du, de, du Ben public. oui. Euh, tu sais, je te dirais, heureusement ou malheureusement, là, oui, c'est méconnu un peu. Là. Le quad, en partant, là. Euh, même aujourd'hui, après 40 ans, là, moi, c'est un, un combat de tous les jours. Là. Moi, je suis promoteur de, 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 promoteur de course depuis 1984. J'ai commencé en trois roues. Après ça, c'est moi qui s'est occupé du programme quad euh, au Supercross de Montréal, au Stade olympique, pendant 15 ans. C'est méconnu un peu, mais... Euh, le Motocross étant, étant là depuis plus longtemps, mais tu sais, quand tu dis au monde c'est la même chose qu'un Motocross, mais il y a deux roues de plus. Puis dans le fond, c'est vrai, C'est vraiment ça. C'est vrai, là. Écoute, ça roule au même endroit, ça roule à la même vitesse. Ils font, on fait les mêmes choses. Ça d'ailleurs, ça m'a surpris. Là. On en parlait cette année, là, justement, là, avec la Super Track de Trois-Rivières, un Moto Pro expert vous étiez à 0,2 secondes des meilleurs le, le temps le plus vite ben, en, écoute, en été. Puis cette année en, moto, là, euh... en 2023 cette année au dirt track de Trois-Rivières le meilleur temps de la journée moto quad inclus c'est un quad c'est un ville, quad là. ah ouais c'est ouais. fou ouais. ouais. c'est fou ouais. les gars roulent avec des 750 en moto là, des les 750 en de moto mo de ouais, de motosports. c'est les... pas des pas des manches de hache, les gars qui sont assez le <laughs> cul là-dessus là. Dave Pouliot, puis euh, Dominique Beaulac puis Naimit là t'sais. Marc-André, ta plus belle finale de course sur glace moto que tu as vue à vie. Finale de course sur glace. Écoute, je vais dire. Moi, je vais dire celle d'été, je vais dire celle de... okay. Celle d'été, c'est l'année passée à Trois-Rivières, quand on avait invité le pilote Brandon Robinson, qui est un des top trois meilleurs au monde. À notre course. Puis Dave Pouliot est arrivé puis il l'a mangé tout rond. <laughs> ça, je vais dire que ça, pour moi, c'est sûr qu'elle est comme indétrônable. Et course sur glace, l'année passée, c'était le samedi. Je te dirais que c'était cool parce qu'à un moment donné, bon, bien, Dominique, euh, on ne se le cachera pas, il a eu un mauvais départ l'année passée, le samedi. Puis écoute, il a remonté tout le monde jusqu'à la première position avant de prendre euh, 7-8 secondes sur tout le monde. Il a fait son statement pour la, la, la course du dimanche. Écoute, celle-là, je vais dire que c'est celle de l'année passée, samedi à euh, Valco. Oui, vraiment. Avant, dernière question, avant qu'on se laisse. Moi, Sylvain, euh, je veux savoir dans quelle dizaine d'âge que tu es. Euh, parce que, tu sais, tu as commencé en 184, es-tu dans 70? 60 ou 50? Je finis la cinquantaine cette année, puis 2025, je tombe dans la soixantaine. Félicitations, parce que t'es pas mal en forme. Pour merci, un... oui. puis oui. Tu t'es carré de garder le beat. Le monde qui vont venir le voir au cours, vous allez voir, il est très, très performant. Ma dernière question, c'est qui votre guide préféré chez Fly and Ride? C'est quoi, ça? Ouais, c'est quoi, and Ride? Oh, c'est ça! Sophie and Ride? C'est pas C'est Ouais, euh, je... <laughs> ah, ça, on le cherche, hein? Merci, les gars. Merci, ah, toi. Yes, hein? C'est beau, merci. C'est Pascal, c'est Pascal.